Superbe performance réalisée par les grands de l'équipe prochaine de Serre mondiale.
Michaud, qui est à nouveau sur le podium, a décidément superbe week-end pour les portes de l'équipe AG2R la mondiale. Samuel Dumoulin qui est sur le podium, il y a Arthur Michaud, il y a Venturini, et il y a bien entendu le vainqueur, Samuel Dumoulin. La victoire coup de poche consécutive, il a gagné la route Tourangelle, il gagne à Plumelec. Et Jérôme Cousin, le plus combatif, est attendu également au podium. Le voilà donc devant nous, Luis André Maté Martonès, le coureur espagnol vainqueur autour de Saint-Louis. Donc on va avoir dans un instant confirmation du classement qui va nous être donné. Julien Duval est dans le top 5. Donc Samuel Dumoulin, vous le voyez défiler le cours de l'équipe AG2R la mondiale. Et le vainqueur, Arthur Michaud, le troisième est donc... À la quatrième place, nous avons le sprinter belge Maxime Fantôme. En cinquième position, on retrouve Julien Duval. Voilà, mon cher Eric, le top 5 de l'épreuve du jour. Avant de commencer la cérémonie protocolaire, je te laisse adresser les remerciements à tous les partenaires de l'épreuve. Merci Daniel. On remercie tout d'abord à l'ensemble des coureurs qui ont vécu l'exercice. C'était le de Yoann Bagot qui était aux abords de ce podium d'animation, celui qui avait été le vainqueur d'étape sur le Tour de Turquie, qui remporte également le Tour du Gévaudan, et son père Jean-Claude qui avait été le troisième d'un championnat de France ici en 1986 à Châteaulin avec les pilotes que lançait Yvon Radion qui était en première position, Jean-Claude Leclerc qui était quant à lui en deuxième position, et Jean-Claude Bagot qui avait terminé troisième. On salue également en contrebas du podium d'animation que ce soit France en 1986, il est remporté la Coupe Picard. On a salué tout à l'heure. Vainqueur des boucles de l'Aude à Châteaulin, l'ovation à Samuel Dumoulin qui rejoint le podium. Ah, quel champion! Bravo, chapeau champion! Trois victoires consécutives dans la Coupe de France. Le voilà sur le podium, il est récompensé. Monsieur le sous-préfet qui sera aux côtés également de Madame le maire de Châteaulin, conseillère régionale Bretagne, Madame Gaëlle Nicolas. Merci de saluer une nouvelle fois donc Samuel Dumoulin, s'il vous plaît. Voilà, Samuel Dumoulin, l'homme, voilà Alain Le Guin, le président du comité d'organisation. À l'exploit qu'il a réalisé est absolument phénoménal. Trois victoires consécutives dans les manches de la Coupe de France. Allez, tout le monde les mains en l'air. L'ovation à Samuel Dumoulin, vainqueur de l'épreuve. Voilà, Samuel Dumoulin qui salue. Donc, dis-moi Samuel, phénoménal quand même. Trois victoires consécutives en Coupe de France. Un week-end breton qui aurait pu, entre guillemets, mettre un peu de stress, puisqu'il y avait la possibilité de se rapprocher de Baptiste Plancart. Mais là, gagner deux fois de suite. On sait que Plumelec, c'est pas facile. Alors, dès le départ, tu t'es senti tout de suite dans le mental d'un vainqueur, ou est-ce que les jambes ont eu du mal à mettre en route? Non, les jambes, elles ont eu du mal. Hein. Hier, on avait bu 2-3 bières pour fêter la victoire. Et c'est vrai que c'était pas facile de mettre en route, d'autant plus que l'échappée, elle a mis très longtemps à sortir. Mais finalement, ça m'a servi parce que j'ai pas cherché à aller dans les coups, à suivre. Je sauvais juste ma peau et essayer d'avoir le moins mal aux jambes possible. Et voilà, après, dans le final, tout mon équipage de 2R la mondiale a fait un travail vraiment extraordinaire. Et ils m'ont mâché le boulot et j'ai sprinté à 120 mètres, en fait. Et voilà, je les remercie parce que sans eux, je serais... Voilà, aujourd'hui. Ouais, tu les remercies, mais quand même, quand on regarde le deuxième, Arthur Michaud, le troisième, Clément Venturini, c'est quand même un sprint totalement réussi, c'est un sprint référence. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à emmener, on prend pas souvent l'initiative. Là, on a eu la force et l'audace de le faire, et voilà, j'arrête pas de leur dire qu'il faut qu'on soit agressif, qu'on soit des requins, et ça commence à rentrer, là, ça fait un mois qu'on est vraiment sur la bonne dynamique, et... La preuve qu'on n'a rien à envier aux autres parce qu'on gagne aussi avec un magnifique doublé hier et un doublé encore aujourd'hui. Voilà, ce jeune homme qui est là, c'est un grand monsieur, sur le vélo bien sûr, mais aussi dans la vie. Tous ceux qui connaissent le vélo, les coureurs, les organisateurs vous le diront, ce monsieur est exceptionnel, un excellent 15e saison dans le peloton professionnel. Maintenant, on peut l'applaudir encore très très fort. Bravo Samuel, chapeau champion pour cette belle victoire obtenue. Bravo à toi. C'est le beau-père qui va être content. Le beau-père, c'est Vincent Lavenue, je vous le dis parce que je suis au mariage. Donc, on va accueillir, on va gagner sur Paris-Nice. Il a gagné au Dauphiné, il a brillé à la Flèche Wallonne.
Arthur Michaud, le coureur de l'équipe MTJ, deuxième de l'épreuve. Le voilà, le vainqueur, voilà qui félicite chaleureusement. Il dit chapeau monsieur. Voilà Arthur Michaud, podium. Hier, donc troisième hier, deuxième aujourd'hui, mon cher Arthur. Dommage qu'il n'y ait pas une course demain. Troisième, deuxième, premier, tu l'aurais gagné. Un petit mot sur le vainqueur du jour, puisque tu es celui qui l'a vu de plus près, tant hier qu'aujourd'hui. Ah, il me fatigue, hein. J'aimerais bien qu'il prenne sa retraite là, pour ça. Entendu. Non, mais c'est vrai qu'il est depuis hier et aujourd'hui, son équipe a très bien manœuvré dans le final. Et puis c'est vrai que Samuel, voilà, sur des arrivées comme ça, il est très performant et on l'a encore vu aujourd'hui. Voilà, on l'a encore vu aujourd'hui. Ton programme à toi, Samuel, maintenant? À domicile, la semaine prochaine, Critérium du Dauphiné. Et voilà, ensuite, championnat de France chez Arthur. Ouais, t'as entendu? Tu vas le surveiller à Vesoul? Tu peux prendre un joker si ça t'empête de te répondre. Ah, il y aura peut-être d'autres personnes à surveiller, mais voilà, c'est un championnat, c'est une course spéciale. Il ne faut pas commencer à surveiller une individualité, parce que sinon on prend la course à l'envers et c'est pas bon signe. Ça va être une journée importante pour toi. Toi, quel bonheur de porter le maillot de champion de France pendant un an. Il sera à domicile à Vesoul. Je crois qu'on peut l'applaudir également. Arthur Michaud, remarquable champion, qui a brillé dans toutes les grandes classiques. Maintenant avec le troisième, c'est un jeune espoir du cyclisme français. Ah oui, je savais que tu t'étais trompé de marche. Sébastien Turgot avait fait la même chose à Paris-Roubaix quand il avait fait deuxième. Il était monté sur la place du troisième. Et en accueillant maintenant, il a été champion du monde de cyclocross. Deuxième de la route Adélie, deuxième de la route Orangelle, Clément Venturini, le coureur de l'équipe Cofidis, ancien champion du monde. Voilà Clément qui félicite Samuel Dumoulin, qui félicite Arthur Michaud. Et voilà le podium du jour. Quel podium, Samuel Dumoulin, Arthur Michaud, Clément Venturini. On lève les mains, les applaudis tous les trois.